Natilia vont très bien. Je ne m'en suis pas occupée. Ils se sont débrouillés tout seuls. Oups, j'ai mis à manger. Normalement, de même, je pense que je laisserai Natilia rejoindre le troupeau et partir en pastoralisme. Dès qu'elle reviendra de manger en extérieur, je la remettrai dans la case de Misba avec ses chevreaux. Et puis selon comme ça se passe, on verra si j'ouvre les portes ou pas. Premier voyage qu'a chargé avec grande difficulté Eric. Il a eu beaucoup de mal avec la fourche, les balles ne tenaient pas, glissaient, tombaient au sol, il y en a qui se sont déformées. Donc je vais déjà décharger cette mini remorque et je vais le suivre avec le Bobcat pour voir déjà comment il fait, pour savoir comment on pourrait faire pour que ça s'améliore et puis s'il faut le seconder avec le Bobcat. Mais le problème c'est que moi je ne peux pas faire tous les champs avec lui. Par rapport à la pente, étant compact, il peut se renverser. Et en plus, il marche à quelques kilomètres à l'heure. La route plus le travail, je serai à court de gasoil en n'étant pas revenu à la ferme. Donc c'est pas fait pour. Choupinette. Non, plus. Encore ma puce, allez. Tu aurais pu choisir un autre endroit, ma fifi, hein, pour mettre bas quand même. Oui, ma chérie. Je suis là. C'est à toi, ça. Oui. T'aider un peu. Elle y est. Une prochaine. Ah, ma puce. Une fois de plus, c'est le plus gros effet. Voilà, regarde. C'est fait. Un. Tu y vas? Allez, vas-y, ma puce. Où va? Tu sais qu'on t'entend, toi. Hein? Je pense qu'il doit être pimentelé postérieur, ce monsieur. Parce que c'est un petit garçon. Quand les chevreaux sont un peu gros, et généralement, quand on a une chèvre en césarienne, c'est un mâle. Oh, ma poupoule, va. Hein? Ma poule. Oh, poupoulette d'amour. Il faut qu'on te remette ta petite boucle, oui. T'es une chipounette. Hein? T'es une curieuse, elle supporte pas. On s'occupe autre chose qu'elle. Hein? Voilà, ça c'est la concurrente directe, c'est Ova. Ce sont les mêmes. Un caractère totalement identique. En général, les chèvres ont un caractère qui se rapproche de celui du chat. Et là, c'est vraiment. Ce sont des chiennes très fidèles, très collantes, très demandeuses d'attention. Hein? Et oui. Non,
de ma poupoule. Qu'est-ce que c'est ça, ma poupoule? Non, non, non. C'est toi qui allaites, c'est plus moi. Je vais à la rescousse d'Eric. Hier, il a travaillé plusieurs heures pour amener 4 bottes. Et aujourd'hui, 12 heures qu'il est au champ et il a chargé 6 bottes sur la remorque. Il n'y arrive pas. Les bottes se cassent, alors il n'arrive pas à les mettre sur la remorque. Le pied de la remorque que mon père nous a prêté ne tient pas. La fourche, il n'arrive pas à s'en servir correctement. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je vais voir ce qui se passe, pourquoi ça ne fonctionne pas. Essayer de charger un petit peu plus la remorque. Je viens de lui arranger les quelques bottes, en charger quelques-unes. Là, on rentre. Eric va réatteler. Il faut qu'il remonte un peu la tête de la remorque pour pouvoir l'atteler. Il va céder des bras du tracteur, de relevage. Et je vais aller décharger la remorque. On va revenir. Il reste quelques bottes. Là, derrière la remorque, et des bottes à moitié défaites. Donc, il faudra réattacher pour pouvoir charger. Les premiers jours où on traverse le village. On change de... Oh, le méda derrière! Allez les filles! Tilt! Tilt! Viens ici, glissine, dire-toi du milieu! Allez, ça doit être bon. Dis donc! Allez! 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 Tire-toi! Va chercher là-bas! Allez, allez, dépêche-toi! Très tilt! Tu vas voir tilt! Tilt! Olmeda! Olmeda! Deux fois! Voiture, hein. C'est un trésor, allez, viens avec moi, viens. Allez, rrr. Bonjour. Oh, allez.
qu'il y en ait qui soient tombés. Allez, va chercher. Va chercher. Viens ici. Voilà. Voilà, il a compris. Allez, c'est bien.